Abonne-toi! Salut à tous, c'est Ribosome et on se retrouve du coup pour un nouveau live sur Resident Evil 2 Remake qui est sorti du coup. Non, qui est pas sorti, c'est la démo qui est sortie, donc là on fait la démo. Je sais que la démo elle est en mode timer, en fait on a droit à 30 minutes et pas plus. Et je crois qu'on peut recommencer la démo si on arrive à la terminer en 30 minutes. Parce qu'ils ont laissé du coup 30 minutes de libre. Que dire d'autre? Du coup, merci d'être là. Merci à tous du coup pour vos messages, pour tout ce qui est. Tu vas faire la dinde. Ouais, faut que je fasse la dinde. Du coup, ouais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après cette démo de 30 minutes, je ferai sans doute une petite pause de 10 minutes et je vais laisser le live tourner pendant ce temps. Et puis après, je pense que je vais me mettre sur Red Dead du coup. Et voilà, après, bon, du coup, la VOD de ceci sera dispo sur ma chaîne. Et voilà, donc Resident Evil 2, il est sorti à la base en 1998 sur PlayStation. C'est un survival horror et il est édité par Capcom. Voilà, donc là, normalement, j'ai fait mes réglages et puis je vais lancer tout ça. Et en plus, du coup, donc j'ai le filtre anti-pop qui maintenant me permet de dire prout ou d'autres mots. Et voilà, donc je vais attaquer. Alors, ça je sais jamais le régler. Moi je vais faire ça. Et j'ai réglé mon problème de son. Du coup, ce qui est cool, c'est que maintenant j'ai le son du jeu dans le casque. Déplacer le curseur jusqu'à que l'image soit à peine visible. Ok. Ben là, elle est à peine visible. Voilà. Et déplacer le soit à peine visible. Ok. Déplacer le curseur jusqu'à que l'image de gauche disparaisse. Si l'image ne disparaît pas, vérifier les réglages de luminosité max. Ok. Connexion à Renette. Non. Voilà. Et je vous mets l'image. Tac. Salut. J'ai de nouveau fait un overlay qui était un peu plus dans le thème du coup du jeu. Voilà, et eh bien allez, on va commencer. Alors moi je tiens à préciser que j'ai pas fait le jeu à l'époque. On va avoir peur. 30 minutes, voilà, ouais, on voit le timer en haut à droite. Il se peut que la démo diffère du jeu final. Cette démo n'est jouable que pendant 30 minutes. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Ok, mais je suis en ligne, c'est bon. Ouais, tu peux télécharger la démo sur PS4, elle est dispo depuis aujourd'hui. Je crois qu'elle fait 7 Go, un truc comme ça. Donc, si t'as la fibre, ça dure à peu près 2 secondes. Si tu l'as pas, ben, ça dure 20, 25 minutes. Là, je suis calé, là. Je commence à être pas mal au niveau du setup. Mon PC arrive, les gars. Alors, je lis juste. En voulant faire une courte pause dans une station-service aux abords de la ville, Léon S. Kennedy, jeune recrue de la police de Raccoon City, était loin d'imaginer qu'il se retrouverait au beau milieu d'une marée de zombies. Accompagné de Claire Redfield, dont il vient de faire la rencontre, Léon roule jusqu'à Raccoon City à bord d'un véhicule de police. Mais un accident vient séparer les deux compagnons d'infortune. Évidemment, il ne saurait en être autrement. Se frayant un chemin parmi les dangers qui l'entourent, Léon parvient à rejoindre le commissariat de la ville. Est-il en sécurité pour autant? Tant de questions qu'on se pose. Donc là, 30 minutes, c'est la folie. Explorer le commissariat. Je sais pas du tout comment on joue. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est en français. Contrôle de la vue, ok. Croix courir. Non, elle, c'était Il y a courir. forcément quelqu'un ici. C'est pas bon, ça. Merci, Tal Production. C'est du temps, hein, pour les miniatures. Hein. On a un moyen de sortir. Tout est là-dedans. Envoyez des renforts dans le couloir est. J'aime pas les couloirs. Couloir est. Vous l'aviez fait, vous, ce Faut jeu? que j'aille l'aider. Est-ce que vous avez fait ce jeu à l'époque? Alors, ok, voir la carte, ça c'est flèche du. Non, voir la carte, c'est ça. Utiliser la carte. La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver les traces. Je fais vite parce que du coup, il faut que j'aille là.
Est-ce qu'on peut mettre un repère? Repositionner, fermer, bouger. R1, c'est quoi? C'est ce que j'ai sur moi. Et ça, c'est une lettre d'orientation. Sans doute pour choisir ses spécialités au moment de passer le bac. D'accord, ah oui, donc la carte, elle est vachement utile, oui. Je vais essayer de fouiller un peu. Combiner. Combinons. Je sais pas ce que c'est. Ouvrir inventaire. D'accord. Donc ça, c'est triangle. Et y a rien. Je m'attendais à des bazookas. Donc ça, c'est pour viser, d'accord. Ça, c'est quoi? Un pistolet en polymère, machin. Utiliser, examiner. Ok. Alors, je cours. Eh ben oui, mais bon, le temps passera et il y aura de plus en plus de gens. Déjà, ça va vite au niveau des abonnés sur la chaîne, je trouve. Mais franchement, c'est cool. Pour moi, tout se passe bien et tout le monde est super sympa, donc pas de soucis. Le temps fera son affaire. Le truc, c'est qu'ils nous foutent dans une démo, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire, du coup. Ok. Le truc... Il va falloir fouiller des trucs. Évidemment. Enfin, le sprint, c'est un faux sprint, le truc, là. Ok, donc j'ai des balles. Et par contre... Ah, en bas, là, il y a des... Il y a trois encarts, trois trucs devant la statue. Et des bouteilles de gaz. C'est sans doute des trucs à récupérer plus tard. Je te pécho pas. Ok. Ne me pécho pas. Évidemment. Allez, Léon. Ok. Il manque un fusible. Ne riez pas si je sursaute. Ça va aller. Oui. Ça va aller même très bien. Tout va bien là. C'est le meilleur endroit où tu peux te trouver, Léon. Oh là. T'as le droit de regarder. Ouhou, de la lumière. Combiné. Cool, j'ai des balles. La prochaine vidéo de Red Dead, ça va être le bœuf. Et ce sera sans doute soit demain, soit dimanche. Voilà. Et celle qui suivra, ce sera sans doute des oiseaux. Et là, ce soir, du coup, quand je serai en live, on fera de la recherche d'oiseaux chiants, type merle, type... Merde, ah oui, il faut maintenir. Hop. On va chercher des oiseaux chiants, ouais, les merles, les geais bleus, le cardinal, tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, j'ai plein de commentaires de gens qui cherchent des oiseaux, et je m'y suis un peu intéressé, là, les quelques derniers jours qui précédaient ce live. Et au final, j'en ai trouvé quelques-uns, je vais vous montrer où j'ai trouvé le cardinal. Et après, il va falloir trouver des merles, par contre. Un spray de premier secours. Caché dans les WC.
Ok. Le mystère du caca dans l'urinoir. Pour ceux qui ont vu South Park, c'est presque ça. Ok, là, il n'y a rien de plus. Bon, il faudrait qu'il y ait des monstres un peu, là. Ok. Ok. Là, j'en viens de là, non? Ou c'est une salle qui ressemble vachement à l'autre? Où est-ce que je suis? Il faut que j'aille dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est... par là, salle du gardien. Donc là, c'est à droite. Bon sang. Laquelle? Je vais vous aider! Aide-moi! Putain, donnez votre main! Je vous tiens! L'autre main, allez! Ouais, je vais faire du Red Dead après, ouais. Juste après la fin de la démo. Je ferai une petite pause de 10 minutes et puis je reprendrai. Je couperai pas le live du coup. Salut! Bon, on sent que derrière cette porte, il se passe pas des trucs très catholiques là. La modélisation des intestins. Carnet d'un officier. Tournez les pages. Qu'est-ce qu'il nous dit? Code NES statue. Donc ça, c'est la statue qu'il y avait dans le hall tout à l'heure. 3 médaillons. On peut passer dessous pour rejoindre Way Out, donc la sortie. Ça, c'est des dessins bizarres. Ok. Donc il n'y a pas plus là. Fermé. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Comment je recharge? Carré? Ouais, c'est carré, comme dans Call of. Pfff, c'est pas évident de viser là. Ah! Il est dégueulasse! Cette pression. Si je vais là, je vais dehors. Non. Et pourquoi je peux pas faire croix? Bon, d'accord. Ouais. Après bouffer, c'est top. J'aime les couteaux. Moi aussi. Est-ce que je peux le péter, ça? Examiner, utiliser. Ah oui, d'accord, ok, c'est si jamais j'ai une pince coupante, je pense que je peux aller, je peux couper ce truc, ce verrou. Par contre, moi pour rejoindre la salle de pause, là, ce couloir, je sais pas où aller du tout. Voilà, putain, il est pas mort. Reste à terre. Ben ça va que c'est que 30 minutes. Est-ce qu'ils sont morts? Comment on peut savoir s'ils sont morts ou pas? Un petit bout de cerveau.
Alors, est-ce qu'il y a planche de bois? D'accord. À quoi ça peut servir? Et des balles. Ouf. Un Dr Pepper, ça ferait pas du mal, là. Je me dirige vers où, là, si je vais là? Je sais pas à quoi me servent les planches de bois, là, que j'ai récupérées. Oh, c'est fermé. Donc moi, je viens de là, là. C'est radical. T'es en sécurité. Pour l'instant. Merci. Il a pas l'air bien, lui, là. Il s'est fait mordre. Hein. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier. J'ai pas pu. Hey. Ouais, l'histoire, je l'ai là, là. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. Je l'ai là. À la fin du dialogue, je vous lis le résumé du jeu. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera toute crue si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça... Il est bluffard. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Un couteau. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris? Compris. Ah. Tu vas mal finir, toi. Couteau de combat. Alors, à équiper depuis l'inventaire, le couteau s'abîme à chaque utilisation et casse lorsque sa jauge est vide. C'est atroce. L1, sortir le couteau. R2, attaquer. Vous pouvez contre-attaquer. L1, quand un ennemi vous saisit, et récupérer le couteau une fois l'ennemi vaincu. D'accord. Bon, c'est cool. Donc L1... Il faut laisser appuyer. Et là, attaquer. D'accord. Donc là, j'ai toujours rien. J'ai juste cette planche de bois, des planches de bois solides pouvant servir à barricader les fenêtres. Idéal pour empêcher les intrus d'entrer. Ah oui, d'accord. J'aurais pu l'utiliser tout à l'heure. Et par contre, là, est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux aller? Au fur et à mesure des dégâts que vous subissez, votre statut indiqué par le moniteur de santé en bas à gauche de l'écran changera dans cet ordre. Ok, attention, danger. Lorsque vous êtes en danger, soignez-vous. Ok. Voilà, ça a l'air d'aller. Carnet d'un officier. Le lion qui mange un truc. Ah oui, briseur de coups. Avec le croco légendaire. Qui est super belle. Ouais, la tenue briseur de cou, je la veux.
Grâce à toi avec la vidéo, Possum et Serpent, merci. Avec plaisir. Où est-ce que je peux aller? Je vais retourner voir l'ordinateur là qu'il y avait. Sinon, il faut peut-être parler au gars. Ah, bah l'ordi a disparu et ça, c'est pas possible de l'utiliser, d'accord. Et ça là. Ouais, ça, il faut. Ah. Cool. C'est pas comme ça que j'imaginais le premier jour. Ça met pas le temps qui reste. Des balles. Ok. Ah ouais. Ah mais c'est comme dans le... C'est pour se soigner ça. Après on peut faire des potions je pense. Moi j'ai beaucoup joué au 4, Resident Evil 4 à l'époque. Ok. Et bonne année, ouais, bonne année à tous. Excusez-moi, je suis concentré, en fait, parce que je suis un peu terrorisé. Oh là là. Je sens qu'il va y avoir le petit tuto couteau. Boah. C'est quoi? Donc ça c'est pour barricader par exemple. Utiliser. Bon, je vais le garder, on sait jamais. Je sais pas en fait. Je sais pas ce que je dois faire. Oh putain. Ok. Il me faut une clé en forme de trèfle. Ouf. Ah ouais, antilope légendaire, j'ai toujours pas pu la voir puisque du coup je suis j'ai pas fini le jeu encore. Enfin, j'ai pas débloqué la fin de la map. Weapon locker key card. Donc carte d'accès, très bien. On va la mettre là. Des balles. Ça fait du bien. Parce que là, je sens qu'il va y avoir un... qu'il va y en avoir au taquet. Ça, c'est quoi? Un rapport d'événement. 25 septembre. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à une soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. 25 septembre. Addendum. L'un des réfugiés nous a attaqués au milieu de la nuit, faisant un mort et trois blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. Bon allez, hop. On est chronométré, on lira ça dans le vrai jeu. Plan du commissariat. Ah ça c'est cool. Ça c'est cool. Salle des casiers. Archives, bureau ouest. Ça doit être là, moi, que je dois aller. Avec mon magnet key access. Moi, je peux pas le péter, ça. Peut-être avec une plante. Bon, il me faut une pince. Bonsoir. Je te conseille de pas trop avancer, ok.
Pas de spoil sur Red Dead, toujours. Hein, c'est pas parce que je joue à Resident Evil qu'on peut, voilà, qu'on peut spoiler Red Dead. Je dois trouver une tenaille. Eh ben meurs. Pourquoi tu meurs pas? Voilà. On va s'éviter les problèmes. Est-ce que je peux y aller par ailleurs? Peut-être par là. Là, il y a les archives. Normalement, c'est là. Ah, mais c'est la clé en forme de trèfle. J'ai loupé un truc ou quoi? Il y a peut-être une tenaille dans ce truc, dans cette pièce. C'était drôle là. Vous l'avez faite vous la démo à ceux qui sont arrivés là? Je suis sûr il est pas mort. Ok, donc je peux aller dans les deux sens. Red Dead, ça va faire du bien après là. Merde. De quoi barricader. Et mélange de plantes. V plus V. Ok. Ça c'est cool. Là, il y a une porte. Je vais peut-être barricader. Est-ce qu'il y a besoin de barricader ça? Ouais. Voilà. Je vais aller voir là. Je suis où là sur la carte? Oui. Chambre noire. Ça n'augure rien de bon. Ça, c'est un truc sur les plantes. On verra ça plus tard. Les pellicules contiennent des preuves, ne les laissez pas traîner. Ah, une plante violette, rouge. Ok. D'accord. Ça doit être pour révéler des photos super spéciales. Interrupteur, ouais allez, hop, on va monter. Ils ont un grand commissariat, ma parole. Il y a un glitch avec John. Voilà. Je lirai après. Oulala. Les salopards. En fait, t'as peur de tout dans ce jeu. Tu peux pas ouvrir les. Ah, il me faut encore des outils, mais en fait, il fallait être Bob le bricoleur là pour faire ce jeu.
pas mort, je t'ai tué, toi. Moi, je vois une ombre, là. Ah oui, oh là là. C'était quoi, ça? Oh là là. Je veux pas le voir, ce truc là, je veux pas qu'il se rapproche de moi, pas du tout. Poudre noire. Ok, à quoi ça sert? Ça doit être pour les photos. Je vais la laisser là. Et ça c'est des planches, ok. Pourquoi faut toujours qu'il y ait ça dans les jeux d'horreur? J'arrive tout de suite. Et alors il faut faire un demi-tour. Changer de niveau. Ok. Est-ce que je peux passer par la bibliothèque? Belgique team. Meurs, bibliothécaire. Encore une clé. Quoi? Ok. Voir les fichiers. Triangle R1. Ah. C'est ce cheval qui est dessiné là. Donc ça fait... Je vais voir avec les formes du truc parce que là... Voilà, j'y étais au hasard total. Médaillon licorne. Cool. Mais moi mon inventaire il est pourri en fait là. Merci d'avoir joué. Non! Non! Bon, temps écoulé, vous avez atteint 30 minutes de jeu. Découvrez la suite de l'histoire dans le jeu complet. Eh ben très bien. Eh ben écoutez, on aura testé. C'était bien, ça fait peur. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'on est... On est un peu téléporté en plein milieu du truc, quoi. Et que du coup, on sait pas forcément où on doit aller. On va se mater ça, là. Je vais vous mettre en plein écran. Voilà. Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, screw that! You don't know what
what you're up against. The whole place is coming down. That's a damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Un carré de sucre. Allez à la page produit pour acheter ce jeu. Non, pas de suite. Non, non, non. Bon, eh bien écoutez, comment je fais? Je vais faire ça. Pas ça du tout. Ça, c'est parfait. Voilà, pour le montage je vais faire ça, je vais dire... J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez précommandé en masse ce jeu qui va nous faire poser beaucoup de choses dans notre froc. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si jamais ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, pour me dire si cette démo vous a plu. En attendant, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. Allez, ciao!